Mais c'était vraiment mieux avant. Le top 5 des préquels de grands classiques. Attention, spoiler. Numéro 5, la planète des singes, les origines. Et là, on découvre qu'on était sur Terre. Le retournement de cerveau de malade, un des plus gros twists de l'histoire du cinéma. C'était dans la planète des singes en 1968 et on était tout aussi soufflé que Charlton. Tu m'étonnes, Eston. 50 ans après, retour aux origines de la future planète des singes. La Terre, donc. Auprès de César. Un petit bébé chimpanzé tout chou, tout mignon. Et de son James Franco de maître qui teste un remède contre Alzheimer. Meet Chimp 9. We gave him a gene therapy that allows the brain to create its own cells in order to repair itself. Numéro 4, le monde fantastique d'Oz. Quelque part, au-delà de l'arc-en-ciel, se trouve le monde fantastique d'Oz. Oz, comme dans Le Magicien d'Oz, le grand classique de Victor Fleming de 1939. Exactement, sauf que là, on n'arrive pas dans le monde d'Oz avec Judy Garland, mais avec James Franco, un magicien de cirque un peu amoral. Un magicien comme dans Le Magicien d'Oz? Exactement. Tu percules vite, hein, dis donc. C'est impressionnant. Take 5. I might not actually be a wizard. Numéro 3, Bates Motel. Bates Motel, Norman Bates, Psychose. Voilà un préquel un peu particulier puisqu'il se déroule de nos jours, alors que Psychose, sorti en 1960, se passait donc à cette époque. La série Bates Motel s'intéresse au rapport très malsain entre le jeune Norman Bates et sa maman chérie, Norma. Norman et Norma, ils sont sérieux? Et leur relation plus que fusionnelle explique un peu comment on a pu en arriver à la séquence finale de Psychose. I'll just sit here and be quiet, just in case they do suspect me. Numéro 2, Prometheus. Dans Prometheus, des scientifiques partent à la recherche de l'origine de l'humanité. Évidemment, la mission se déroule pas complètement comme prévu. Et lors de l'exploration d'une planète, ils sont rapidement embêtés par des petites bébêtes fort pas sympathiques. Et après moultes accouplements improbables, paf, ça fait un xénomorphe. Ah donc en fait, Prometheus, c'est le préquel d'Alien. Numéro 1, Star Wars. Dark, voici ton fils. Luke, voici ton père. Bim! Encore un gros twist. Comment ce petit bambin attachant d'Anakin va devenir le plus grand méchant de l'histoire du cinéma? Attachant, c'est vite dit, hein. Il est super énervant ce gosse. Quoi qu'il en soit, c'est ce que montrent les trois épisodes du préquel des trois autres épisodes. Enfin, la deuxième fournée de trois qui se passe avant les trois premiers et qui s'appelle donc 1, 2, 3. Stop! Je comprends plus rien. Ouais, moi non plus en fait. Du coup, je vais me mater le 7. The dark side. A Jedi. Force. It's calling to you. Retrouvez ces films et ces séries à regarder chez vous sur notre nouvelle application Allociné Home, disponible sur smartphone et tablette.